Vendredi 12 avril 2024, moi c'est Jean-Philippe qui salue nous depuis la capitale fédérale américaine, Washington DC, Nouvelle-York. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité, la Chine condamnée au sommet trilatéral États-Unis organisé dans Washington avec participation du Japon avec Philippines. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur a continué dans le moment où le gouvernement mexicain a déposé plainte pour Équateur demander excuses après force de l'audio est rentré dans la mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass. Et bien en Haïti, publication, installation avec nomination au conseil présidentiel là, avec nomination du nouveau premier ministre, capable de faire n'importe qui joue, un mois après Premier ministre Ariel Henry, a annoncé l'intention pour le démissionner. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous sommes passé déjà un bon week-end à la compagnie de la Voix de l'Amérique et nous espérons que vous avez passé toute semaine en bien avec nous et vous avez rejoindre nous encore semaine prochaine pour nous continuer à faire voir ça ensemble. Actualité à Kimbenou, ici de Washington, côté la Chine. Condamné avec toute force le sommet ou bien encore sommet trilatéral qui déroulé entre États-Unis et Philippines avec Japon, Jacques Nebelizer. Vendredi 12 avril 2024, la Chine critiquait les États-Unis, Japon et Philippines pour sommet trilatéral là qui déroulé dans Washington. La Chine rejetait mise en garde Washington, elle défend toute action la menée dans la mer Chine méridionale là. Maroning, porte-parole ministère Affaires étrangères pays la Chine, a dénoncé sommet à côté li critiquer les États-Unis qui d'après lui entre bouche li bien fond dans affaire la Chine. La Chine campait contre tout comportement qui provoquait et planifiait conflit et qui portait à tête contre sécurité et qui attaquait intérêt l'autre pays. Vraiment vrai, président Biden accueilli dans la Maison Blanche, sommet trilatéral ça qui déroulait entre États-Unis, Japon et Philippines, en présence du premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippinien Ferdinand Marcos Jr. Moi remercie nous tous les deux pour être nous là et moi content pour premier sommet ça et à quand pile l'autre cap pour fête dans année qui vient là. Facing the complex challenge. Premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippin Ferdinand Marcos Jr. te prend la parole l'un après l'autre pour mettre accent sur coopération à tête ensemble dans moment gain gros tension dans zone Indo-Pacifique là à pression la Chine. Vraiment vrai, yon nan objectif sommet ça, c'est voyer yon message clair by la Chine par rapport à conflit entre Mani et Pékin dans la mer méridionale là. Et dans ce sens ça, Joe Biden mettait le clair dans cadre traité de défense mutuelle là entre Mani et Washington, États-Unis a réagi. Si la Chine attaque Philippines dans la mer méridionale là, et dossier pression la Chine sous Taïwan là, t'es sous tapis à tout dans sommet ça. Dans visite officielle ça qui t'est gain là dans yon dîner d'état, premier ministre japonais a t'est déjà dit dans la veille devant Congrès américain, action militaire la Chine représentait un défi sans pareil. Et il représentait tout plus gros défi et stratégique pas seulement pour la paix et sécurité Japon, mais tout pour toute communauté internationale là. Président pays philippinien Ferdinand Marcos Jr., petit garçon ancien dictateur philippinien Ferdinand Marcos, te gen tout yon chit attendé bilatéral ak locataire la Maison Blanche lan, Joe Biden. Joe Biden qui bay Alliance Asie-Pacifique la en pile importance. C'est ça qui fait que l'te réalisé année passée dans résidence présidentielle Camp David là, yon sommet trilatéral entre États-Unis, Japon et Corée du Sud. Premier ministre japonais Fumio Kishida ak madame ni Yuko Kishida quitter les États-Unis après visite officielle ça qui était marqué entre autres célébration coopération manche longue entre deux pays. Jacques Lebelizer, VOA Creole. N'a quitté capitale fédérale américaine pour nous aller dans Moyen-Orient côté la misère elle a lancé une autre attaque encore dans le territoire Gaza. Serge François Michel. L'armée Israël touye à coup de zam des Palestiniens. Bonnet, jeudi vendredi, en tout près ville tout basse dans Cisjordanie. D'après sa quelques médias palestiniens qu'Israéliens rapporté. Nouvelle qui paraît dans la presse dit, yon monsieur pédit la ville, les soldats israéliens t'es ouvert coup de zam sous machine ligne en tout basse. Yon l'autre palestinien est tombé en babal israélien pendant yon attaque militaire sous camp réfugié Al-Farah au site tout basse. L'armée Israël n'a pas parlé tout de suite sous nouvelle saillot.
dernière violence a faite après annonce à hier jeudi en côté de la mer a été dit qu'un nouveau mesi ak mesi amélioré pour faire aide humanitaire entrer dans Gaza. Entre autres, construction et un nouveau passage à terre dans Nord Gaza. De l'autre côté, États-Unis dit hier jeudi en limiter restrictions sous employés en Israël ak famille pour yo pas voyager en dehors zone Tel Aviv, Jérusalem ak Beersheba. À cause menace Iran qui dit la tirer revanche sous Israël pour frappe aérien qui était faite 1er avril sous ambassade li dans Damas. Serge François Michel, VOA Creole. N'a pas allé dans le pays d'Haïti ou bien nouvelle concernant le pays d'Haïti, et bien deux panélistes qui sont participés dans un forum sur Haïti dans New York, et bien ils ont eu des opinions tout sur participation dans et forum ça ensemble avec le secrétaire d'État adjoint américain et américain qui était dans sommet ça nous pas New York côté dans une journaliste confrère nous Valérie Saint-Louis. Après forum ça qui était fait sous situation pays d'Haïti qui était organisé par Conseil pour relations étrangères qui c'est une association citoyen américain qui ont même spécialisé dans politique étrangère États-Unis et relations internationales côté que assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'Ouest là Brian Nichols s'est participé VOA Creole t'est parlé avec Monique Kleska écrivain journaliste et membre à Comontana nous t'est parlé tout avec Gary Pierre-Pierre journaliste fondateur journal Haitian Times qui ont même tout fait partie discussion dans forum ça moi-même moi t'ai déçu par prestation monsieur Nichols parce que c'était des petites phrases courtes de Yun Lee côté monsieur Blinken tel côté tel bail qui t'est fait tel bail qui t'est fait et pas d'une part d'analyse et deuxièmement pas de responsabilisation de échec politique américaine en Haïti puisque effectivement journaliste s'est demandé comment faire nous arriver là et est-ce que li pa wè que quand même comment t'a qualifié et situation et manière que États-Unis mène une politique étrangère donc li pa fèl donc moi-même moi t'es déçu par rapport à ça bon moi c'est virer question poser question et point que me fait souligner c'est qui sa diaspora capable faire qui rôle nous parce que et pas que on va dire que diaspora va sauver Haïti c'est diaspora capable non loin de là parce que il y a un pile diaspora qui est incompétent OK mais ça compétent ça capable yo penser un rôle pour jouer et pour nous garder dans quelle façon pour jouer rôle là par exemple Valérie on notion n'a voyé 4 billions de dollars en Haïti par année OK est-ce imaginons ça ta ka fait si 4 billions de dollars ça nous te créé un investment fund OK nous mettons là-dedans et puis comme ça n'a investi en Haïti gien projet problème dans qui gien kounya la diaspora pour organiser nous beaucoup gien capacité c'est un bagage que me penser que département d'état capable aider nous et construire infrastructure nous département d'état comme si pas ouais que et politique yo n'était pas la bonne politique li maintenu que yo tap cherché une solution haïtienne quand effectivement moi-même moi rappelé li que nous-mêmes de Accor Montana nous t'ai proposé c'est nous t'ai venu avec expression solution haïtienne et nous t'ai proposé depuis août 2021 donc tout ça pour dire que moi pas croire que politique américaine vraiment changé me pensais que son échec que le tayé et me pensais que yo pas paré pour yo apprendre des leçons du fait que il faut effectivement coûter de l'autre voix bah ni que c'est un bagarre valeur que me très rien mais monsieur dit me comme ça bon Gary d'après ça dit Haïti son problème hardware il y a parce que software là bon parce que si ça si on peut accomplir tout ça n'accomplir c'est que brain là bon donc on a là nous besoin capacité nous besoin structure infrastructure pour nous capable fonctionner parce que là nous gain infrastructure là nous fonctionner pas mal nous montrer dans les pays étrangers situation pays d'Haïti a cap dégénéré attirer attention en pile monde et notamment communauté internationale là c'est comme ça que plusieurs forums réunions webinaires ak chita parler a fait de temps en temps sous cap pays d'Haïti avec des haïtiens soit qui vivent à l'étranger ou bien en dedans pays pour VOA Creole Valérie Saint-Louis depuis New York. Nous parlons dans le pays d'Haïti, il y a des possibilités pour arrêter, cap nommer et puis installer et conseil présidentiel là, capable publier n'importe qui jour, mais capable faire n'importe qui jour et arrêter ça une fois que le fait n'est pas débouché sur le choix du nouveau premier ministre, Yves Manuel.
Selon yon source, nous capable faire confiance, arrêté qui nommé membre conseil présidentiel yo a gain pour publier avant longtemps dans journal officiel Le Moniteur. Conseil ministériel approuvé mercredi soir projet décret qui gain pour la création et fonctionnement conseil là. Document ça, selon dernière information yo, al joine jeudi soir presse nationale pour publication. Conseil ministériel passé main dans plusieurs points dans projet décret qui gain pour la création et fonctionnement conseil présidentiel là avant approbation document ça dans publication officielle. Selon un membre dans gouvernement démissionnaire, conseil ministériel pas prononcé sur accord politique qui signé entre parti qui engagé dans cadre mise en place conseil présidentiel là. Il revient à membre conseil présidentiel yo pour publier document après nomination yo. Nomination et installation membre conseil présidentiel là t'adoué prochaine étape là. Toujours est-il pourquoi grand ken date qui arrêté pour étape ça franchi. Analyse politique yo estimé conseil ministériel et conseil présidentiel là t'adoué travail main en main pendant une ou deux mois avant formation prochain gouvernement ak choix yon premier ministre qui donc deux entités yo obligé composer. Après nomination membre conseil présidentiel yo yon bon petit temps ka prend pour installation yo à cause insécurité qui doit résoudre pour faciliter travail conseiller présidentiel yo. Après annonce démission premier ministre Ariel Henry ak gouvernement nan nan date 11 mars qui s'est passé là en pile moun te espéré mise en place pressé conseil présidentiel là. Yon mois après conseil présidentiel là toujours pour qu'on mette en place prochain gouvernement toujours pour qu'on nomme alors que gouvernement démissionnaire continue à liquider les affaires courantes. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Il faut dire que conseil là lui-même il y a 9 membres, il y a 7 membres qui ont droit de vote et puis il y a 2 autres qui c'est eux-mêmes qui c'est observateurs. Dans nouvelle concernant conseil ça et bien réaction toujours département, il y a un secteur qui d'accord à ce que conseil ça dirige pays pendant et jusqu'à ce qu'il vienne élection et il y a l'autre groupe monde qui voulait pour que c'est dans la cassation pour y chercher président qui va diriger pays pendant 2 prochaines années Renan Toussaint. Certains dirigeants organisations sociopolitiques en Haïti parmi eux Jacques Gary qui s'est représentant communauté 100% diaspora dans pays avec Léonard Jean Renaldo qui lui-même c'est responsable CRI national avec plusieurs autres baille opinion par rapport à l'avancement qui gagne dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition côté gouvernement démissionnaire Ariel Henry ressuscité et transféré dans presse nationale pour publication dans journal officiel l'état Le Moniteur décret création et organisation conseil présidentiel là y compris arrêté qui nommait 9 membres équipe collégial. Yo va aller avec eux dans Le Moniteur pour que vous dites nommer. Jusqu'à présent, c'est pas clair. Et est-ce que je dis à nous qu'à appris demain ou bien dimanche, lundi, vous avez ça? Non. Donc c'est une raison nous-mêmes. Et l'équipe du Philippe là, nous connaissons tous, c'est pour l'équipe qui sait. Et il y a un peu de monde qui était connu, un peu de monde qui pensait qu'il y avait une possibilité pour que vous installiez tête dans le palais national. Oui. Pour qui ça? Et parce que j'en nous dis, quel que soit Jean-Lia, nous obligés à accepter ça que mal là ou façon pour que nous aller au souffle. Je dis, si vous êtes mon cap, vous n'avez pas aimé aller au cap. Si vous êtes mon ancien, Jacques Mel, vous n'avez pas aller. Mais je dis, vous n'avez pas aller. Je dis, si vous êtes malade, vous n'avez pas aller à l'hôpital pour aller. Donc je dis, pays a livré trop de temps, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, parce que si nous avons une chance, nous n'avons pas bon, nous avons installé le plus possible. Même si c'est pour quelques mois, pour quelques jours, vous pouvez aller au sous. On parle des conseils des ministres qui veulent ça quelqu'un pour le voyer. Qui conseil des ministres qui va parler? Je dis à nous pas quoi nous avons un pays qui n'a aucune institution qui a fonctionné. Tout ça qu'il a, tout ce des institutions de malfoi, des institutions qui sont corrompues, qui pas au profit des populations haïtiennes. Et nous, aujourd'hui, et bataille qu'a fait là, il pas fait, il pas une bataille qu'a fait pour population, et bon bataille qu'a fait pour jeunesse là, nous c'est bon bataille qu'a fait pour diaspora. Son bataille qu'a fait pour groupe, son bataille qu'a fait pour monde ça qui mettait non à état ça depuis 36 années. Yon dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Et bien, dans l'autre cas, dominé l'actualité, ancien premier ministre Evans Paul, qui était un avocat Lavelle, eh bien, il a répondu à une question. Juge cap instruit dossier Centre National Équipement. Moi, l'image qui était faite dans le cadre du dossier CNE. Et puis, normalement, son citoyen, depuis la justice, m'a dit, là. Mais malheureusement, on ne bat jamais recevoir aucune invitation. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai entendu une invitation. Après ça, il tourne en arrestation. On va aller faire un bon tapage pour rien. Non, ambiance que moi, il est l'arrimage judiciaire. Mais je dis, moi, je recevoir une invitation formelle. Moi, je fais le devoir en tant que citoyen, bien devant le juge là. Donc, je dis, là, où tu réponds à une question du juge, madame, là, qui titre? Le témoin. Ok. À titre de témoin, qui ça, Premier ministre et Evans Paul, t'a gagné pour eux avec question matérielle CNU pour l'administration de comme étant Premier ministre, puis t'a invité devant la justice? Rien. Rien. Normalement, il y a un droit d'inviter n'importe quel témoin. Et soit pour bailler une explication, soit pour aider le juge à comprendre un aspect dans le dossier. Parce que ça, pour les téléspectateurs, vous comprenez. L'administration publique, là, c'est escalier. Là. Chaque monde a un rôle. Le Premier ministre, là, c'est responsable du gouvernement. Mais il y a un principe qui est la hiérarchie dans le fonctionnement de l'État. CNE pas dépend de Premier ministre. Je ne peux pas dire le directeur CNE pour passer l'ordre directement. Si je n'ai pas besoin de la CNE, il faut passer par le ministre des Travaux publics, qui est le ministre tutelle CNE. Moi-même, je n'ai aucune occasion pendant de là. Je n'ai jamais traité aucun dossier qui était en rapport avec CNE. Bon, je n'ai même songé jusqu'à présent par mon côté local CNE. Non, l'autre programme de mini-actualité a râlé dans l'Amérique latine, côté Mexique, mandé Nations Unies pour les suspendre Équateur dans l'organisation internationale là, après force de l'audio dans l'Équateur. Te fait un descente de l'île dans l'ambassade mexicaine, dans la capitale la Quito. On y a un descente de l'île que Mexique condamné et qui force le camper sur relations diplomatiques avec Équateur. Sandra Lemaire. Président mexicain a déclaré jeudi pays li mandé pour Nations Unies suspendre Équateur comme membre organisation mondiale là. Quienes resulten afectados que puedan acudir a la corte y que la corte de conformidad con la carta de Naciones Unidas resuelva. Les pays affectés ont été capables d'aller devant quoi et puis quoi en accord avec chaque ONU, t'as dû approuver l'expulsion et pas t'as dû gagner option pour poser veto pour bloquer. Demande ça fait partie plainte Mexique portée bon côté l'ONU après des centres de liés la police Équateur t'est fait contre ambassade Mexique dans Quito semaine passée. À. Tension entre Mexique et Équateur augmenté 17 hauteurs depuis fin semaine passée. À. Le autorité équatorienne a été forcée entrer dans mission diplomatique là pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui demandait asile au Mexique. Mexique voyait plainte lundi by Cour internationale la justice dans la Haye côté Limadeo suspend Équateur. Cependant, une porte-parole ONU dans New York déclarait c'est pour y décider si y doit suspendre un pays membre. Président Andrés Manuel López Obrador t'est babillé pour Équateur pendant une conférence pour la presse dans Mexico City. Lo que nos importa mucho es la no repetición. Ils savent qu'il est vraiment important pour nous c'est assurer attaque ça pas répéter et puis dénoncer offense contre Mexique là à diplomate Leo. Ministre des Affaires étrangères Équateur, Gabriela Summerfield, déclaré pays li pral défendre action li posée et yo pas envisagé pour kounye a présenter aucune excuse by Mexique. Pays yo ap goumen pour causer glace là que la justice condamnée
et qui courir pour lui pas prendre prison depuis l'idéal chercher refuge dans l'ambassade Mexique là dans mois de décembre 2023. Équateur plaint pour dire il aussi blé glace pour crime les commerciaux, pas pour raison politique et que Mexique pas ta doué considérer accorder monsieur asile. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Dans une autre nouvelle, eh bien, la Chine évacue citoyens qui étaient en cap vivre dans le pays d'Haïti à cause de la crise là, en allant à plus près. L'ambassade chinoise en République dominicaine, Chen Luning, était présent dans Himani pour accueillir jeudi passé 27 citoyens chinois, ministre des Affaires étrangères pays, avec le gouvernement dominicain aidé à évacuer soutien en Haïti. Chen Ho, le 3 juillet 22, et aujourd'hui, ça fait deux convois pour un total de 50 citoyens nous évacuer sortis dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince puis rentrer en République dominicaine 22 mars avec jeudi. Prochaine étape là, c'est aider aux joindre côté pour y dormir avant de retourner en Chine. Évacuation ça fait dans un moment violence gagne a augmenté dans la capitale la Port-au-Prince. Wang Fuxing, il m'a évacué par les bouddhis, moins content. Il était difficile pour nous arriver là, mais il y a un pile de monde qui aide pendant tout le parcours là, tant qu'au pays avec personnel ambassade là, moins passé un mois en dedans, car moins pas capable de sortir. Il y a d'autres pays qui déjà évacué citoyens en Haïti. États-Unis, Canada, la France, la République dominicaine, pour ne citer ça seulement. José Lito, un citoyen philippin, dit qu'il est très reconnaissant pour l'assistance du gouvernement chinois à Bali, moins reconnaissant pour les amis chinois Mioto. Ça, c'est déjà un soulagement avec sécurité. Chen Tou Café, yon lot citoyen chinois, parle vous dit, moi pire content toujours à cause de ma retournée dans le pays en Chine. Moi reconnaissant envers le gouvernement chinois, République dominicaine, gouvernement haïtien, sans oublier un pilote héros qui te supporté, même l'aide non pas qu'on est plus fort parmi eux. D'après l'Organisation internationale de migration, sorti 8 pour arriver 29 mars, il y a plus de 50 000 monde qui courent quitter Caillou dans la capitale, la Port-au-Prince, pour aller chercher refuge de l'autre côté. Nous pour aller dans la ville Saint-Marc, côté programme humanitaire sous condition administration Biden lancé depuis janvier 2023, eh bien programme ça a un impact négatif sur plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti, tout secteur la santé. Junior Racine a fait un coup de pied pour nous dans l'hôpital dans la ville Saint-Marc. Programme humanitaire que l'administration Biden a réclamé sous pied depuis 8 janvier 2023 passé a fait gros impact sur l'administration l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Plus passé 30 à 40% employés partis quitter pays dans quatre programmes si là. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur fonctionnement l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc là. Directeur médical l'hôpital là, Dr. Franz Alexis, t'es réagi comme ça. Programme Biden n'a pas sans conséquence là, parce que nous perdu un pile employé qui déjà quitté l'hôpital là pour aller dans le programme ça. Donc, disons, quantité personnelle que nous avons réduit considérablement. Donc, nous avons un processus de remplacement de personnes avec Zedel, qui allaient au milieu des pratiquement qui doivent avoir en masse. D'après le directeur médical là, l'institution a fait face à gros difficultés pour joindre médicaments à cause de gang armé qui occupait la route nationale numéro 1. Nous avons un contexte socio-politico-économique qui est difficile et qui passe sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'hôpital. Là, nous considérons que la route est généralement bloquée. Or, pour l'hôpital approvisionné en nutriments, disons médicaments et tout le matériel qui a besoin pour faire fonctionner. Généralement, c'est encore plus que les médicaments, c'est ressources. Donc, les routes bloquées, ça veut dire que nous n'achetons pas de médicaments. Donc, nous sommes obligés de faire des achats locaux et achats à eux. Donc, il n'y a pas qu'à satisfaire tous les besoins de l'hôpital. Ça veut dire que, à ce moment, nous avons besoin pour essayer de médicaments et d'autres intrants qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital a fonctionné 24 heures sur 24, malgré a fait face à gros difficultés dans les derniers jours. Métropole Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique.
Nous recevons des tuyaux en tandem avec Serge Rodriguez dans Washington et Jude Dancier dans Floride. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle. Semaine ça, sous VOA Creole. Aujourd'hui, nous allons parler du décès d'un célèbre footballeur des épaules carrées américain qui mourit mercredi 10 avril. Et puis, nous allons passer le microphone dans by Jude Dancier pour une nouvelle souhaitée dans Miami. Ancien footballeur des épaules carrées noires américain O.J. Simpson mourut mercredi 10 avril après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui s'est représenté dans la culture états-unien? Eh bien, c'était un personnage que mon pas de ignoré et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Marielle. Verdict si là t'a provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unien comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré l'été échappé sans un grafouillé dans un jugement pour assassinat madame américaine Blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégâts et il pas jamais capable de retourner dans la place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur de Paul Carrière, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné, il était gagné l'âge 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football de Paul Carrière qui est donc NFL États-Unis. Il était pris en trophée joueur de l'année en 1973, dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique, qui était bâti dans le jouet de Juice, qui donc joue en créole à cause initiale OJA, qui s'est abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même d'être quitté carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc route, qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a mené lui dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985, dans deuxième noce. Et dame n'a fait deux petites poulets. Assassinat de madame Marilia a été venu replacer lui en bas de lumière actualité a, comme principal suspect dans sa monde est considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans le 20e siècle là, ici aux États-Unis. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer qu'on a Jude Ronsé qui va dire tout ça qui a passé dans l'été maille là, dans Miami, État Floride. Jude, vous avez la parole. Athlète Saint-Fleur, alias Flev, chanteur groupe Gabel, fait qu'on est premier album solo li a bien passé. Mais ça va vous dire pour autant que li gen plan pour quitter Gabel pour une carrière solo. Gabel son jazz compagnie et le bas son album chante maybe 4 à 5 musiques. Li difficile comme si pour me proposer des nouveaux tendances, des nouveaux bagages. Peut-être que je vais faire un bagage qui est différent sur l'album. Mais album solo, par exemple, j'ai toute liberté, je fais tout semble sur l'album. Je vais toujours jouer dans Gabel, mais je vais toujours jouer des projets solo. Les gens ont un album. Bon, yon EP, mais m'a toujours lagué des nouveaux bagages. L'autre nouvelle pour journée jeudi, Mackenzie Talon, alias Magdi, chanteur groupe musical Harmony, qui t'a performé en solo dans Hollywood, État Floride, semaine passée, manifesté en pile qui est cassé. Pour Jean Business, musique haïtienne a évolué dans le moment. Business là, j'en down, parce que j'aime toujours dire, quand Haïti va mal, et Chema va mal. C'est-à-dire que, on va renforcer. Et notre travail, son album, et m'a regardé deux musiques harmoniques gain là jodi en dans studio avec Maïso Nickenson Prudhomme. M'a pas voulu larguer au dehors, m'a pas voulu aller sortir un album parce que m'a pas voulu paraître inaperçu. Pour tout ça qui a passé dans business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas c'est Jude Ronsé. Merci infiniment Jude Ronsé pour nouvelle souveraineté. Moi c'est Sergio Rodriguez. Et bien d'abord rendez-vous encore pour semaine prochaine pour l'autre nouvelle qui a passé parmi les avec Naïtien Mala. Mes amis, jeudi, c'est vendredi, c'est week-end, jeudi, c'est 12 avril. Donc, si week-end pour la commencer, eh bien commencer, lui, et songez pour être venu chez nous. Soit conduit, mes amis, pas consommer alcool. Et si vous consommez alcool, pas conduit parce que nous besoin retourner, venir chez la passer une bonne semaine. Vous êtes déjà avec nous, là, pour passer un bon week-end. Ensemble avec la Voix d'Amérique. Merci en pile, tout le monde. Merci, gentil Augustin et Jean-Marc Abela, Sandra. Et puis, collègues, moi, camarades, moi, Valérie Saint-Louis et Jacqueline Bélizer. Bon week-end tout le monde. Thank you.
évasion. En pile monde lié évasion ça fait dans prison avec ordonnance qui te rend sous assassinat Jovenel Moïse là. Après depuis les ça un blackout qui y avait fait. Arabe déclaré que bataille pour l'autre phase. En pile monde a dit eh ben est-ce que bataille avec Adzamio, li parli avec Guy Philippe parce que yo arabe endosse Guy Philippe mais avant bataille avec Adzamio Arab te getan endosse Guy Philippe, te getan parle pose Guy Philippe là. Son jeune Guy Philippe allez Waname qui est-ce qui était stock ça on c'était Arab qui était stock ça on avec micro dans main qui t'a metté animation qui t'a metté ambiance. OK? C'est juste pour me rappeler Mounio question liée bataille avec Adzamio avec Guy Philippe. Ça a beaucoup évidence. Nous même n'a cherché évidence pour nous à côté. Yo qui connexion tout bon vrai. Est-ce que Arab il continue gain droit après le fin évadé dans prison? Pour la faire mobilisation. Ça, il était avec l'État haïtien, il était avec la justice. Edler Guillaume, commissaire, juridiction, Port-au-Prince. Madame, monsieur. Réussi sorti dans le silence, li, dans journée jeudi, en blesse personne, pendant l'Ital, dans le commissariat, Pétionville, dans sa qui vient pour elle, à voyager sur question de détention préventive prolongée. Songez, depuis après, évasion qui pète, ni dans la prison civile, quoi des bouquets, ni dans la pénitentiaire nationale, Edler Guillaume, t'es si peu bouche, li, il n'y a pas de gens qui disent rien. Exact. Personne ne connaît qui besoin de Guillaume de guerre. Eh bien, on a déclaré, dans ce qui a venu, il va entendre pour faire conférence de presse, pour annoncer des dispositions que vous prendre pour mettre à vie de l'esprit. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Regardez, il y a une émission qui a voulu tenir là. Il va y avoir pour nous bailler. Pas qui va qui va me le faire. Mais non. Regardez, c'est que. Qui va mettre le cafou à Blaise? Qui va mettre le cafou à Blaise? Qui va mettre le cafou à Blaise? Regardez, quand elle est de Guillaume de il va à la conférence pour qui pour dire qui ça? Est-ce que c'est arrêté? Est-ce que c'est retourné? Tout est évadé prison en dans cellule yo. Et ça veut dire non mi de kafou. Non mi de kafou. Tout ça nèg yo dit, il y a maquillé pour faire parler la vérité, nous besoin de poser non mi de kafou. Yeah. Nous besoin de poser non mi de kafou pour venir décortiquer pour permettre que moun k'ap garder k'ap tande yo comprendre que c'est menti nèg yo a bay. Parce que jusqu'à présent, et nèg yo pas connait combien prisonniers t'es dans prison. Comme j'écrivais sauver tout bon vrai. C'est une situation qui est grave. Là, on est douce commissaire gouvernement et puis, ou gagne dimanche ça. La police, nous en parle, ils n'ont pas posé de l'explication. La police font coup de bec. Ils ont arrêté Dafka, qui s'est manqué, les jeunes arrestations, mercredi qui était 24 avril 2024 là. Non, Pellerin, c'est. Le dimanche, t'as gagné, collé serré avec gang de 57, songez que le groupe expert Nations Unies, t'es dit que c'était Michel Joseph Martelly qui t'a créé Gangsa. C'est pas moi qui dis. C'était groupe expert Nations Unies qui t'a dit que c'était Martelly qui t'a créé Gangsa. Exact. D57. Un scandale dans quand la police, dans la direction police, grandance. Directeur départemental, la Blaise Peterson, Anthony, pas qu'on est si c'est Razé, directeur départemental, la Razé, mais il faut que nous t'achèchions qu'on est. Est-ce que la police va payer? Directeur départemental là entend avec un chauffeur qui était pour transporter un trailer la police pour mener ni bomo par un citoyen qui était acheté. Est-ce que vous entendez? La police te demandé chauffeur pour le venir en nuit pour le tal bomo avec conteneur mais malheureusement chauffeur pas te tenu il était dans 8h du matin il était venu déplacer avec elle. Ça qui la ça qui était lagué gros problème. Délégué départemental là t'es campé en face et la justice prend disposition, ils viennent constater. Et conteneur ça, c'est conteneur que Idmo qu'on utilisait pour stocker, pour serrer bagay, sans doute que Yo Bayo pour travail. Et derrière c'est papa, je gagne l'argent parce que l'institution n'a pas payé. Il est obligé à vendre sa institution en gain. Ah, il va essayer, il est bon, on va essayer. C'est ça, ça. Qui grave. Qui grave, vous avez été de nous. Falasik mais quatre pour vérité ou. C'est pas qui grave en pile lui. Lorsque dans situation que la police a vendu ça quelqu'un comme bien. C'est pas un petit agent non. C'est directeur départemental. Est-ce que Kounye a tout? Nous pas qu'a dit que directeur départemental là, il suivent le directeur général qui c'est supérieur hiérarchique lui. Ouais, qui tu as plaigné que la police pas de moyens pour combattre assassin criminel qui est dans le pays là. Et au dessus de on sait des gros sommes l'argent. Soit le Canada, la France, les États-Unis, qui quimbaient la police en otage, qui empêchaient la police de faire intervention côté de faire intervention. D'ailleurs, pour la police de faire intervention de la personne, faut au moins
yo mande les États-Unis, faut que yo mande le Canada, est-ce que yo capable agir en pays d'Haïti? Comme ça, la police a dirigé là. C'est ça que fait, gen sécurité pour oligarques corrompus, pas gen sécurité pour haïtiens qui vivent en dans pays à l'explication. Ensemble pour ça yo, nous pral débattre sur yo. Mais pas oublier, Rosemont Jean, lire à les oreilles Jeff Canaran. Il dit Jeff Canaran, a fort du pral attaquer madame petite zami policier, ferme un bouchou. Va là et comme ça vous doit faire. Est-ce que pas des amis tout? Eh bien, Jeff Canaran lui répondait. Les gars fait un voice WhatsApp, mais heureusement, j'ai cette conférence de presse, c'était bail. Mais Jeff Canaran connaît. Semble pas gagner la presse qui pourra le couvrir conférence pour lui. Il parle dans voice. Il dit qu'il connaît heureusement, j'ai pas gagné pour la clé. Mais c'est la police qui attaque la bail négio. Ça, il mérite parce que tu es famille, tu es tué en mille, tu es tué en famille. Nous allons le décortiquer. Nous allons le garder ensemble. Dans le temps, il y a des situations. Et je vais seulement ajouter ça au Désir Venesse comme notre point. Et je pense que vous avez ajouté, mais il va sujet. Gagné réseau national qui a défendu droit Mounio RNDDH qui présentait un bilan en quantité zak qui commet en un pays en moun qui mouri. Et fait qu'on est que pendant trois premiers mois ou là, il parlait de plus que 200 combien moun qui mouri en babal bandi armé et ça côté plusieurs milliers d'autres qui blessés en babal gen mouri. 200 plus que 200 combien mouri, mais plusieurs milliers d'autres blessés en babal. Et selon responsable dans l'hôpital La Paix Delma 33, responsable de l'hôpital La Paix Delma 33, yo fait qu'on est que yo tellement recevoir moun ki blessé en bas bal bandi armé dernier temps sa yo sorti de 29 février de là que bandi armé yo déclenché mouvement alors nèg vivant sam yo j'ai relé tête yo déclenché mouvement yo pour arriver jusqu'à 3 avril yo fait qu'on est que gagné plus passé 33, alors plus passé et 186 moun, donnez bien. 186 moun qui yon recevoir, c'est de moun qui blessé en babal. Et dans 186 moun qui yon recevoir, qui blessé en babal, gagne 6 moun la dan, qui blessé en babal, et puis gagne 32 femmes qui blessé. Et établissement responsable yo dans l'hôpital Delma 33 l'hôpital de la paix Delma 33 pour me dire bien yo dit clairement que l'hôpital arrivé dans situation qui exagérée yo pas gain train médecin de service médecin résident yo parfois en difficulté yo t'a déplacé dans zone côté autorité pour venir service avec moun yo dans zone côté yo hier dans l'hôpital là et il a fait face tout avec problème entrant. Lundi entrant, médicaments, tout baga qui lié, que l'hôpital a capable de besoin pour bay soin avec maladie. Et je dis, il a fait face avec un problème de entrant dans l'hôpital général. La paix. Pendant ce temps, pas oublié. L'autre pigot, l'hôpital, l'État qui est dans le pays, dans la capitale haïtienne, qui c'est l'hôpital général. Je dis, qui fermé. Je dis, qui sous contrôle, bandit armé, on dit comme ça. Parce que c'est nèg qui contrôle les zones, de la Réunion, rue de l'enterrement, rue du centre, rue c'est honoré. Donc je dis, mais dans quelle situation qu'elle trouve, et me dit clair, à côté de moun qui a pris un bal, qui a mouri, qui a blessé, dans le moment que nèg armé yo, a fait assaut, soit sous palais, mais sous policier yo, mais qu'on pas qu'un tout qui joue à mouri la caillou, pour raison santé, raison soin santé, qu'on pas qu'à le prendre, soit l'hôpital général, ou dis-moi ce que, non, sa santé. Public ou bien privé, ou dis-moi ce que, non, ou cet hospitalier quelconque. Mettez sous question grand goût, je dis, en plus, on a un grand goût en un pays. Ensemble de ça, je dis, en zami, je voulais que nous comprenions, je voulais que nous regardions la réalité qui vient là, je dis, en un pays. Et ça fait, l'éclair, dans l'émission Calfou Vérité, que nous avons ça, nous avons un véritable Calfou ça. Kafou Saint-Dédé ça. Kafou, ça a que jodi en Haïti trouvé là. Kafou difficile ça. Nous même nous engager nous dans émission ça, Kafou vérité. Pour nous porter ba nous de ça qui vérité yo. Et ou même tout, ou que intérêt, ou que obligation pour dire dans commentaire là. Est-ce que ça cap dit là yo? Est-ce que c'est vérité ou bien menti dans émission ça? Et que ça dans commentaire là? Est-ce que c'est menti ou bien vérité? Et là ça là, va comprendre que je dis, qui est-ce qui croit dans notre Haïti? Qui est-ce qui croit dans le changement Haïti? Parce que n'a pas le changement Haïti en de notre calme pour vérité. Désir Venesse, nous prenons le permis de mettre nous, parce que nous avons fait notre débat. Tendez,
arabe, Miltil Maslin, que tout le monde connaît sous nom arabe, évadé de prison, évadé de prison, ni clair avec des bases sur ça. Et qui en contravention avec la justice haïtienne. Mais comme nous ne pouvons pas faire justice, nous ne pouvons pas faire pays, nous ne pouvons pas comprendre que je dis, hein, dans la situation que Haïti trouve là, mais en réalité, parce que si vraiment, et ça va être l'âme de ou désir, l'autre dit, mon sang, et Guillaume a annoncé, bah, conférence, oui, monsieur, et ça c'est comme une sans honte. Ah, comme une sans honte, oui. Les que bandits ont annoncé par le cas de prison, hein, qui ça, la justice et la police te fait pour t'empêcher le cas de prison, hein? Parce que la justice et la police, ils travaillent en collaboration. La police, c'est pour armer la justice. La justice, ben, l'ordre de la police arrêté. Les gens de décision qu'ils prennent, ils prennent dans le niveau de la justice et ils exécutent dans le niveau de la police. Même dans le conseil, dans le CSPN, qui est le conseil de sécurité police nationale, nous jouons le commissaire gouvernement comme membre dans le conseil. Les que bandits ont annoncé qu'ils allaient craser prison, qui ça a été fait? Qui ça a été posé comme action pour t'empêcher que bandits crasent prison? Date ça que nèg vivant ensemble tout le monde. Y a metté tifé, y a crasé côté Edgar Guillaume Téyé. Côté Oyé. Et puis je t'entendais, y a visité, ou y a annoncé conférence qui ça? Non mais ouais, est-ce que quel journaliste qui va le filmer, qui va attendre Ranstaille que Edgar Guillaume crase dit là yo? C'est ça me dave l'état de dans oreille moi. C'est un thème d'abord étant des désirs que Edgar Guillaume dit bon, ok, par rapport avec plus que 4 à 5 000, plus que 4 à 5 000 prisonniers sauvés entre deux prisons, ça y est, mais combien de prisonniers qui ont arrêté encore? L'ensemble d'Akadim attendait. Mais avant de dire que la bataille contre la question de détention primaire psychologique, ça est du chantage. Ça est un sujet quotidien, oui. Donc je dis, hein, mais que les amis comprennent. Je dis, hein, mais que nous allons dans la profondeur de ça comme réalité. Mm-hmm. Nous ne prenons pas la logique par le nez. Et puis, tout blaise. Mm-hmm. Plaisir. Faut nous rappeler, nous avons tout, condition d'arrestation, Miltil Maslin alias arabe, il était typiquement politique. Mm-hmm. OK? Il était typiquement politique parce que si on était qualifié de persécution politique, arrestation, il était entendu sous ça que la justice était reproché, arabe là. Il a fait incitation à la violence. Il a fait complot contre la sûreté de l'État. Mais je dis à Angade, Neki Adzamio, qui tellement marine complot, il a fait Ariel Henry pas qu'à rentrer. Ou bien, communauté internationale, là, l'Occident utilisait Neki Adzamio pour faire Ariel Henry pas qu'à rentrer. Parce que, vraiment, qui dans le background, c'est les États-Unis et le Canada qui demandaient Monsieur Adzamio pour faire ça ouvert. Et je dis, il y a joué avec les Parisiens. Tout le monde dans la police d'ailleurs. Ça qui est bounda, ça qui est bounda d'ailleurs. Ça est tout le monde dans la police dans la rue. Ça veut la bounda boule, ça est. Ça veut la bounda boule. Parce que je dis, hein, la police a une communication secrète. Ah. Bandi, yo foué pied dans chaka. Yo prend contrôle toute radio communication que la police gagne. Ça va nouvelle pour moun yo. Parce que moun yo connaît pas que la police ça qui là. Et ça va nouvelle pour moun yo. Donc on garde ça les a déjà dit là. Ah monsieur, ça va nouvelle pour nous. Et baba moi tu vas ça me cap dit ça. Ah, ça va nouvelle pour nous la police. Attendez, je dis hein, l'organisation qui c'est garant de fonction de la fonction publique bras armé de l'administration publique. Sécurité paye à l'amène, c'est sous responsabilité lié. On t'a dit, je dis, la constitution li connaît des bras armés. Mm-hmm. L'armée, malheureusement, nous sommes que l'armée a été écrasé. Mm-hmm. L'il était la police légalement qui l'a pour garantir sécurité, la vie et bien citoyen. Mm-hmm. Et puis, vous entendez, un groupe nek à sa patte qui pas ni li ni écrit en pile là-dedans. Mm-hmm. La situation, il y a que des nek qui travaillent avec eux, des nek de spécialistes. Qui travaille avec eux pour yo permettre que yo déprogrammer programmation que technicien la police te fait sous système radio communication yo pirater il y a tant de toute conversation toute planification d'opération que la police a fait et puis ça n'est pas fait est-ce que directeur général la police n'est pas au courant il fait au courant son policier qui dit yes. Son policier peut causer à dehors oui. Yes. c'est pas porte-parole la police non. C'est pas directeur général de la police, non, mettez parce que directeur. Mais même jamais dit tout mon cher. Et on autre mon cher. Administration, non, au niveau de la police, vous sentez confortable. Parce que chaque jour, il y a une gang par ou l'explication. On a le permettre, si Arabe est prêt,
pour nous permettre de nous entendre arabe dans mitan kafoua arabe sous t-shirt paille là dans mitan kafoua li pral blay causer nous pral analyser est-ce que c'est vérité pas oublier arabe sont sambalier j'en ai fait même exercice dans émission calf pour vérité et pas dans et ailleurs nous pral à chaque petite séquence que nous juger attendez bien ça maintenant nous à chaque petite séquence que nous juger qui important qui intéressant dans ça arabe dit là yo nous même nous pral faire analyse sou yo et nous pral regarder qui ça qui ka vérité la donne et qui ça qui ka pas vérité la donne très bien dans chaque tissé qu'est-ce que dans ça arabe dit là nous pral analyser ça qui mérite analyser n'a regarder est-ce que c'est vérité parce que ici là nous pas venir porter par l'évangile nèg pou nèg nous pas venir faire parole nèg venir tourner l'évangile ici d'ailleurs ça que fait nous même dans cal pour vérité on a décortiquer bagarre nèg yo et n'a fait nèg yo parler tout mais dans sens ça nous pral garder nous pral tendre est-ce que ça nèg yo dit ça arabe dit là est-ce que qui ça qui vérité la donne et qui ça qui c'est mensonge la donne parce que pas oublier quand gien arabe fait politique tout arabe fait politique ça veut dire qu'il a intérêt dans ça veut dire qu'il a politique tout mais nous même comme moi désivenes nous en mesure une capacité pour nous analyser pour nous questionner ça yo il va permettre que nous connaissons cette vérité et ça menti la donne désivenes on essaie garder avant même pendant ce temps nous va venir avec arabe la désivenes pour cacher ça pour nous bon, même parce que nous devons attendre des arabes, tant que j'en blesse cette situation-là, qui pourra le permettre que nous vivions comprendre. Parce que,